Bonjour, aujourd'hui je vais vous proposer une séance cardio. Donc le cardio il a pour but d'éliminer, de transpirer, de s'amuser et de brûler les calories. Donc ça va être une séance assez tonique, rapide. Il va falloir s'équiper de baskets parce qu'on va courir, on va sauter. Voilà, donc ça va être un petit peu plus difficile que ce que je vous propose d'habitude. Mais c'est toujours faisable, il faut le faire avec les moyens qu'on a, avec ce qu'on peut. D'accord, donc pour celles qui ont des soucis de genoux, qui ont des soucis de hanches, on peut toujours faire, mais il va falloir essayer de s'adapter. Donc dès qu'il y aura des sauts, eh bien, vous, il ne faudra pas sauter, il faudra essayer de trouver une autre solution pour pouvoir travailler justement ce cardio. Je vous en propose deux solutions, d'accord? Quand nous, on travaillera par exemple sur les sauts, si vous, les sauts, c'est pas possible, il va falloir jouer sur la rapidité, d'accord? Donc, au lieu de faire l'exercice en sautant, il va falloir faire le même exercice en se déplaçant plus rapidement sans sauter. Petit exemple. Si mon exercice, c'est celui-là, on saute, on saute, on saute, ça c'est difficile, d'accord? Alternative, on peut faire celui-là. D'accord? Hop, j'écarte. Hop, j'écarte. Le but du jeu, bien sûr, c'est que si vous ne sautez pas, il faut essayer de le faire vite. D'accord? Donc, c'est pas hop, 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 hop. C'est vraiment, je reste sur mes appuis et j'essaie de le faire le plus vite possible. Ok? Ça, ça va être une alternative que vous allez pouvoir avoir pour justement éviter tout ce qui est choc, tout ce qui est saut. Deuxième solution, on peut aussi activer les bras. Ok, dans les mouvements, si vos bras restent le long de votre corps, si vos bras restent en dessous de votre cœur, ici, et qu'on bouge comme ça, ça actionnera pas trop le cardio. Par contre, si vous faites le même mouvement avec les bras ici, c'est-à-dire monter, descendre, vous allez automatiquement accélérer le cardio. Dès que vos bras passent le dessus de votre cœur, de suite, ça va lui demander d'engager un petit peu plus. Donc, on peut très bien faire le même mouvement en engageant ici les bras, plus vite, moins vite, comme on peut, d'accord? Le principe du Tabata, ce que je vous propose maintenant, ça va être 5 blocs de 4 minutes. Chaque fois, dans ce bloc-là, vous aurez 20 secondes d'exercice, je bug, 10 secondes de repos. D'accord? Les 20 secondes d'exercice, il va falloir les faire à bloc. Il faut terminer les 20 secondes sur les rotules. D'accord? Il faut vraiment sentir qu'à la fin des 20 secondes, on a du mal à reprendre son souffle. C'est le souffle qu'il faut venir travailler. D'accord? Donc on bouge les bras, on accélère, on saute ou on saute pas, on adapte, mais à la fin des 20 secondes, il faut vraiment que je sente que je suis essoufflée. Donc chacune son niveau, on peut tout le faire, il suffit juste d'adapter. D'accord? On va avoir chaud, oui, ça c'est sûr. Si on veut éliminer, si on veut brûler des calories, on va avoir chaud. Plus le cœur il va se mettre à palpiter, plus il va nous chauffer. D'accord? C'est l'objectif, c'est ce qu'on recherche. Donc on se munit de baskets. C'est préférable, d'une bouteille d'eau. On peut même ouvrir les fenêtres, d'accord, si vous manquez un petit peu d'air, ça aide aussi. Et on est parti. Donc c'est 5 blocs, ici, chaque fois, 20 secondes, 10 secondes de repos. La musique, elle va venir vous aider, d'accord. Donc la musique, je vais la mettre un petit peu forte, et je vous conseille chez vous de la mettre aussi forte, parce que vraiment, il faut qu'elle vous entraîne, d'accord? Il faut qu'elle vous emporte, il faut vraiment y aller. Je ne vais pas pouvoir trop parler pendant l'exercice, sinon la musique plus moi, ça risque de faire un brouhaha à la sortie, d'accord? Donc, ça va être un petit peu difficile pour moi, mais je vais essayer de ne pas trop parler. Et vraiment, voilà, laissez-vous emporter par la musique et donnez le maximum pendant ces 20 secondes, c'est important. Donc la séance, elle va durer à peu près une demi-heure vraiment d'effort. On va commencer par de l'échauffement sur une musique et après on commencera ces 5 blocs et on finira par de l'étirement. C'est parti? Allez, je lance la musique et on est parti pour l'échauffement. Il ne va pas être très long. On est parti. Hop, laissez-moi lancer ça. Oh, wait,
Voilà, me revoilà. Donc on va attaquer notre Tabata. Donc quand je vais lancer la musique, vous allez entendre au niveau de la musique votre top départ, 20 secondes d'exercice, un stop, 10 secondes de repos et ça repartira. Ça sur 4 minutes. Essayez de faire vos 20 secondes maxi, d'accord? Si vous voulez brûler les calories, si vous voulez éliminer, il faut donner, d'accord? Si vous le faites un petit peu tranquille, eh bien ça ne fonctionnera pas. Donc on a lancé la vidéo, on y est, on essaye vraiment de faire ça au maximum, son maximum à soi, hein, d'accord? On n'a pas tout le même rythme, il faut vraiment que vous fassiez pour vous, mais il faut qu'à la fin de ces 20 secondes, il faut sentir que votre cœur, eh ben, il secoue et que votre respiration, eh ben, elle est un petit peu plus marquée, d'accord? On est parti, pareil, je vais lancer la vidéo, vous écoutez bien pendant le moment de la musique, je ne vais pas pouvoir trop parler, parce qu'entre la musique et ma voix, ça va être un petit peu compliqué. D'accord. Le premier, c'est un classique, c'est un simple. D'accord. On a commencé juste à s'échauffer. On va faire ça sur des squats. D'accord. Donc des squats, 20 secondes, 10 secondes, j'en arrête. 20 secondes, 10 secondes, je m'arrête. Après, on passera aux fentes. D'accord. Le premier bloc, il est assez simple. Il nous commence à nous préparer à monter un petit peu au niveau du cardio. C'est parti. Je lance. 30 secondes. Attention, attention. Go. Yeah.
de ne pas remuer les fesses. Hein. Les fesses. La fatigue qui commence. Au sol. 'Décoiffer et avoir mis des couleurs. Donc vous, si vous n'avez pas ça, c'est que vous êtes un petit peu au Club Med. Donc on y va, on s'arrache. 20 secondes toujours à bloc, 10 secondes de récup. Donc le deuxième bloc, il se fera au sol. Alors il faut prendre un tapis. Allez, c'est parti. Alors, au niveau des mouvements, on est au sol. Premier mouvement, ça sera des abdos. Donc vous êtes sur votre tapis. Ici, je vous montre rapidement le mouvement. Les pieds seront en haut, les mains ici sous la tête. On ne tire pas sur sa tête pour monter. On garde toujours le menton et la poitrine ici dégagés. Et on monte et on fait nos abdos en enfonçant fort le nombril au sol. Ok, 20 secondes, 10 secondes de récup. On posera les pieds ici et on va venir rouler sur le côté. Donc on allonge le bras, la jambe et on roule sur le côté. On se trouve face au sol, ok? Ici, premier mouvement, on va chercher l'ouest. On pose, on monte un peu sur les genoux. Je pose, j'allonge, je pose et je monte un peu. D'accord? Je pose, j'allonge mon bras, je roule sur le côté, je suis prête pour mes abdos et je repars. Si au niveau des jambes, ici c'est trop dur, on fait les abdos, les jambes, au niveau du sol. C'est parti. Je lance ma musique. Alors attendez, bougez pas. Je lance tout ça. Go, go. Welcome to the Hallelujah. Cause I tell my dog in the gym,
Les couleurs se marquent et c'est un petit peu plus dur. Ok, bravo. Le but est de tout donner, d'accord? Se dire 20 secondes serré. Et pendant ces 20 secondes, il faut tout arracher, il faut tout donner. Vous n'êtes pas toute seule, je le fais avec vous. Donc on y va, on se motive vraiment ensemble. C'est parti pour le troisième bloc. Go. Allez, on se retrouve à nouveau debout. Je prends ma zapette pour laisser la musique. Donc c'est debout, ça va être déjà un petit peu de course, ok? Si vous voyez que si je vous dis montez genoux, eh bien, vous n'y arrivez pas en courant, vous le faites en marchant et vous essayez aussi de lever les bras en plus, comme ça, ça activera un petit peu le cardio. D'accord? Essayez d'adapter. Le but, c'est de vous dire à la fin des 20 secondes, j'en veux plus, j'ai tout donné. D'accord? C'est ça qu'il faut vraiment aller chercher et chacune, eh bien, son moyen pour aller chercher vraiment ça. On est parti? Allez, donc les blocs, à chaque fois, ils durent 4 minutes. 4 minutes, c'est réel. Alors, on peut se la donner, on y va. C'est parti? Go, je laisse la musique. Ah bah non, je ne laisse pas la musique comme ça. Attendez. Je vais, hop, c'est l'ordinateur, c'est les rames. Bon, c'est parti. On va commencer par la course. Montez les genoux.
Est-ce que vous m'entendez? J'en peux plus. Eh bien, c'est ça le but, c'est ça l'objectif. Être décoiffé, rouge, et puis pouvoir parler. Ok, il nous manque le dernier bloc. Il se fera au sol, et ce sera plutôt du gainage. Donc moins rapide, plus posé, mais aussi efficace. Go! Ok, on est au sol. Donc pour le dernier bloc, ça va être un petit peu plus posé. Il va falloir essayer de s'appliquer sur le mouvement, bien gainer, d'accord, et tenir les positions, essayer de les tenir le plus longtemps possible. Je cherche mes mots, ça devient difficile. Donc ici, je vous montre juste sur le début ce qu'on va faire. On va commencer, alors moi c'est ma jambe gauche, on va dire que c'est la jambe droite. Vous commencez par la jambe droite, d'accord. On va commencer par ce mouvement. On va allonger la jambe, on fera attention à ne pas cambrer, surtout, et quand je remonte ma jambe, je remonte comme si je voulais voir au-dessus des genoux. J'allonge toujours la droite et je remonte. Et j'appuie le petit bien mon ombril. J'allonge et je remonte les omoplates. Ça, c'est le premier. Le deuxième, on va se tourner ici. On va se placer sur le côté. On pourra garder la jambe posée au sol ici et se mettre en gainage comme ça. Ou bien, plus difficile, plus d'appui au sol et surtout, on monte bien au latéral. D'accord. Après, je vous guide, c'est assez simple. On est parti, courage, c'est les derniers moments, d'accord. Les derniers moments d'effort, après, vous allez voir comment on se sent bien. Faut y croire. On est parti. Allez, si ça marche. C'est parti. Thank you.
S'étirer sur une musique pour se détendre un petit peu et faire retomber un petit peu ce palpitant. Allez, à de suite. Allez, on étire. On va poser un petit peu tout ça. Vous êtes prêts? J'envoie la musique. Go, c'est parti. On se relâche. Glisse les mains devant, les fesses sur le talon. Les talons, relâche. Speaking words of wisdom, let it be.
épaules et le bassin. Voilà, le but c'est de changer aussi un petit peu, ça fait du bien. Allez, bonne semaine et à bientôt. Ciao, ciao.